Eh bien, mesdames et messieurs, en effet, l'anneau est toujours là. Ça est aveugle. Ça est juste aveugle. Ok, je suis prêt. Merci Sandlo pour les 10 euros. Petite contribution à l'homme qui m'a fait vider mon portefeuille pour Farsight. Oh, excellent, excellent choix. Mais c'est bourré. Merci bourré les dons pour les 10 euros. Raiten pour les 200 balles. Merci à toi pour les 200 euros de dons. Merci beaucoup. Merci Talos pour les 5 euros de dons. Merci beaucoup, mon cher Talos. Après ça, dans le clip, elle me fait penser à l'image du mème avec les filles qui pointent du doigt le chat assis à la table. Ah, c'est tellement ça. Faut trop que quelqu'un fasse un mème comme... Faut qu'un mème de l'image où elle est genre... Ah, comme ça. Et elle se tenir et moi, je suis le chat derrière l'assiette. Oh, j'arrive. J'adore. Merci à Dreamin pour les 20 euros de dons. Moiran, merci pour les 20 euros de dons aussi. J'ai le droit à mon baptême Covid, mais je me console devant le meilleur event de l'année. Merci beaucoup, Moiran. Merci, merci, merci. Merci pour les dons. Allô? Oui. Oui, très cher Marc de la maison Vernius. Il n'y a pas de maison Vernius qui tienne cette fois. Je vais venir vous retourner. Comment ça? Ouais. Comment ça me retourner? J'ai rien fait moi, je suis gentil. Et la guerre de la tartine, nouvelle version. Ouais, version c'est la virtuelle. C'est la mini guerre de la tartine. La vraie guerre de la tartine, moi c'est. J'ai update les donation goals, moi c'est à 80 000. 80 000, à vraie guerre de la tartine. 80K. Ouais. Ah ouais. Faut les attendre. Eh ben, ok, bah, en attendant, on va faire une mini guerre de la tartine. Donc tu m'avais dit pour les viewers, tu m'avais dit que c'était moi qui choisissais le jeu. Exact. J'ai donc choisi Battle Sector. Nous Battle avons tous Sector. Les deux fait notre petite liste. T'as fait une liste à 3000 points, toi, ça y est? Ah, mais je l'avais faite hier, mais là, je vais la changer. Parce que je me suis rendu compte qu'elle était peut-être pas au petit, mais j'ai testé. Hier, j'ai fait les tutos. Ensuite, j'ai fait une game contre l'IA. J'ai perdu. et voilà. Ok. Donc, j'ai testé vite fait. Changer de compte, comment ça, en direct, livrer une bataille contre un adversaire sur internet, oui voilà. Je crée un match. Il crée un match. Minuterie de tour, non ça on va faire, il y en a pas. Moi je prends les Blood Angels, je les ai appelés la Tartine Company. La Tartine Company. Eh oui. Alors est-ce que tu veux qu'on mette une limite de tour? Une limite de tour. Oui, donc ça change la manière dont on joue, parce que vu qu'on va scorer avec des objectifs, bah, si on met une limite de tour, ça veut dire que y a des intérêts à rusher très vite au début pour marquer des points dès le début et défendre le territoire que tu as. Alors que s'il y a une limite de tour plus longue, voire pas de limite du tout, c'est un peu plus lent, y a un peu plus de combat d'attrition et tout. Alors là, mec, moi, c'est vraiment, je suis 0 XP sur le jeu, hein, donc moi, je... Bah, moi, très peu aussi, on a juste estouillé un peu avec Marmotte. Moi, je dirais que j'aurais tendance à te dire comme tu le sens, comme tu préfères, mais je sais pas trop, hein. Moi, j'avoue que je sais pas trop. C'est vraiment comme tu préfères. On peut aussi mettre une limite de points. Vas-y, on va mettre une limite de 80 points, mais pas de limite de tour. On va essayer comme ça. Et on fait une armée à 3000, on est d'accord? À 3000, absolument. Oui. Tout à fait. On va choisir une petite... Je sais pas, une petite... Oh non, je suis à 3005 points, merde. Le jeu, il veut pas. Ah, ça a l'air grand, ça. Point cible 80. Ouais, 80, ça se fait assez vite quand même. Ah, on me dit dans le chat que potentiellement t'as pas encore trop compris l'histoire des portées optimales de tir. Si, ça, j'ai compris qu'il faut pas être trop près, sinon les tirs ça les aime pas trop. Je sais pas si t'as vu quand tu sélectionnes une unité, si tu bouges ta souris après, tu vois en fait autour d'elle. À la portée optimale de son arme principale, oui. Tu vois des espèces de petits ronds orange, et c'est ça la portée optimale. C'est très pratique pour bien se figurer à quel endroit tu es à portée opti. Oui, et plus le rond il est grand, plus ça montre que c'est optimal, ouais. C'est ça? Plus c'est optimal. Donc okay. Tu as les ronds de couleur qui sont vraiment là, t'es à bonne portée, et plus le rond est gros, plus tu as la visibilité vers la cible en fait. Ok.
Ok. De bon, toute façon, je te reposerai des questions. Je suis en train de finir vite fait ma liste là. Je suis en train de voir comment on fait. Tu peux. Ouais, vas-y. Tu l'as trouvé ? Ah, bravo ! Elle a trouvé l'anneau, ça y est ! C'était très, très drôle. T'as été vraiment escorté comme une folle du dessus plateau, j'ai adoré. Passer à trouver l'anneau déguisé en Hobbit. Ah, c'était. Eh, mais ça, c'est... j'ai tellement rigolé, putain. Qu'est-ce que c'était drôle. Ah, oh, ça m'énerve, ça dépasse de 5 points, c'est comme. C'est comme sur le jeu de plateau, c'est énervant. Ah. Ah, moi, allez, j'ai fait mon armée tout à l'heure, elle fait 3000 points pile poil. Ah, bah, moi, elle fait 2995, donc si je perds, on saura pourquoi. Ouais. Eh ben, je suis prêt. Je crois que tu peux me rejoindre via Steam ou in-game. Tu vas sur les parties multi, je sais plus, mais. Ouais, je te. Non, regardez, je peux pas. Faut que tu m'invites, je pense. Oui. Tu veux un pinceau ? Ça te va, ça ? Oh, le nom de la map est parfait. Ok. Alors, tu peux aller dans. Sinon, tu vas dans gestion. Parce que je vois pas comment t'inviter dans le jeu. Mais sinon, tu vas dans multi. Chercher une partie multi. Il doit pas y en avoir 10 000. La carte, c'est échange de sel. en mode commandement stratégique. Beaucoup le nom de la game. Attends, main lobby login? What? Main lobby login? What? Non, mais non, mais ça va pas. Hein? Ah non, mais attends, c'est quoi ce bordel? Multiplayer, c'est la merde. Main menu. Oh, merci! Les menus, c'est pas très clair. Non, c'est pas clair. Faut que j'aille dans multiplayer? Oui. Ok. Et là, j'ai login live. Alors, oui, non, c'est mais live. Me dites pas en que fait, c'est un système live. De connexion. Non. C'est live, je crois. Non, mais une demande de login à Steam, c'est trop bizarre. Hein? Ah, c'est bon. Live, du coup? Je crois, ouais. Échange de sel. Oui. Commandement stratégique. Commandement stratégique, voilà, ça doit être ça. En 3000 points, ça doit être la mienne. Vas-y, essaye. Faction. Do. Liste alpha. Boum. C'est parti. Je vois toujours. Ouais, c'est bon. T'es là. Ah, incroyable. Donc 3000 points, pas de minuterie de tour, comme ça on peut prendre le temps qu'on veut pour les tours, hein. Pas de panique. Ah oui, j'aurais beaucoup de questions. Alors il y a 80 points max en fait. Le premier qui arrive à 80 points a gagné. Voilà. Ok, ah c'est 80 points. Okay. Et donc il y a plusieurs objectifs ou il y en a qu'un seul? Oui, non, il y a plusieurs objectifs, ils sont répartis sur la map. À chaque objectif que tu captures, c'est 5 points. C'est 5 points. Sachant que c'est le même système que 40K, à savoir on calcule les points à la fin du tour du deuxième joueur. Ah, attends, il y a une annonce. Il y a une annonce ? 1 700 000. 1 700 000 ! 1 700 000, let's go ! Oh yeah ! 1 700 000. Ça fatigue pas trop là ? Bon, ça va. Moi j'ai dormi donc ça va. T'as dormi, oui, t'as repris vers midi. Ouais, j'ai un peu. Ah, mais c'est pour ça que j'ai l'air. Je voulais voir la map du dessus là, mais je la vois pas. J'arrive pas à voir où sont les objectifs. Alors, les objectifs, tu verras, c'est des points, on dirait des espèces de trappes. On dirait un silo à missiles. Il y en a deux qui sont très proches l'un de l'autre. Il y en a un qui est vachement sur le côté. J'en vois un, deux, trois. Regarde au milieu de la map, je sais pas si tu les vois. Il y en a un qui est. Ah, mais c'est ma. Il y en a un qui est dans ma zone de déploiement? Dans la zone bleue là, moi j'ai une zone bleue. Dans la zone bleue, moi je te vois pas, hein. Là pour l'instant je vois que ma zone. Dans la zone bleue, je crois que non, faut regarder en dehors. Ah, si, moi j'en ai un dans ma zone bleue aussi. Mais c'est vraiment un truc qui ressemble à un silo de missiles nucléaires qui s'ouvre avec deux trappes vers le haut et tu vois, c'est ça. Ah oui, je le vois. Ok, je le vois. C'est les objectifs. Et en fait, bah, tu verras, il faut qu'une de tes unités aille sur un point précis à côté du truc, mais tu verras en t'approchant. Et après, il faut que tu cliques sur un bouton, comme si tu faisais une action pour capturer le point, sauf que la capture est une action gratuite. Elle te dépense pas de points d'action.
Ok, ok, ça marche. Ça roule, ça roule. Donc, bon, allez, hein. Avoir des unités très rapides qui peuvent aller sur les points pour les capturer, c'est bien. Ouais, ouais. Pouvoir les prendre dès le début et scorer tôt. J'ai saisi le principe. D'accord. Oh, la map, elle est elle est pas très chargée, hein. Il y a de belles lignes, hein. Il y a des belles lignes, effectivement. Putain, j'ai joué ce matin pour tester la liste et c'était une map, mais 10 fois plus chargée. Ah ouais. Ah oui, là, je sens que question couloir, tu vas te faire plaisir. Moi, j'ai fait une liste qui match un peu les listes que j'aime bien en tout. Ok. Ah, donc, à ton avis, il y a quoi? Beaucoup de breachers. Oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas des Devilfish. Oui, alors ça, j'avoue que ça manque énormément. Mais, je m'en doute. Donc, on va essayer de faire marcher ça sans Devilfish, mais ça va pas être facile, je pense. Ouais. Ok, bah, j'ai fini mon déploiement. De toute façon, en 3000 points, t'as vite fait de tout mettre dessus. Ouais, ça bourre vite, quoi. Mais alors, du coup, c'est sticky objectif ou pas? Le chat était pas foutu de me dire. Oui, Non, si. Quand tu prends un objectif, il reste sous ton contrôle jusqu'à ce que l'autre joueur vienne faire l'action de changer le truc. Ok. Mais alors, et on marque des points. Unité peut capturer. On marque des points à chaque fin de notre tour ou à la fin d'un tour en particulier Je sais pas qui aura le T1. Ah. Mais c'est celui qui a le T2 à la fin du T2 où on calcule tous les points. En fait, t'as vraiment un round quoi. À la fin du round. À la fin du battle round. Voilà, il y a le calcul des points. Ok, ça marche. Et c'est 5 points à chaque fois que t'as un objectif. Ok. C'est à moi? Ah, je crois que c'est à moi. C'est à moi. Ah, c'est à toi, ok. C'est à moi, ça risque de prendre un petit peu de temps. Alors d'ailleurs, maintenant, tu peux regarder sur la map. Tu vas voir, en fait, les objectifs. Tu as un marqueur dessus. Et tu as une zone qui ressemble très fort à la zone un anneau pour les gouverner tous. Enfin, tu verras. Oui, je la vois. Voilà, et c'est là, en fait, tu mets une unité là-dessus et puis après tu fais l'action et c'est bon. Donc, je vois qu'il y en a un là. Ah, il y en a deux au mid. Wow. Oui, il y a une zone au mid qui est hyper importante. Ah, il y a 4 points au mid du coup. Il y a 4 points au mid? Ah non, il y a 3 points au mid. Non, en fait, les silos, tu dois. Oui, je vois. Tu dois te mettre dans l'espèce de petit rond doré et puis après ça, voilà. Ouais. Ouais, en fait, ça fait. C'est la répartition des points, on dirait une tub. C'est intéressant. ok, ça marche. C'est quoi le momentum? Tu te souviens? Quoi? C'est quoi le momentum? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, il me semble qu'il y a une mécanique dans le jeu qui s'appelle momentum. Ah bon? Ouais. Parce que j'ai des tas de pourcentages de momentum en plus, moi. Avec mes habilités. Il connaît pas le jeu, super. Ah, ce serait la jauge bleue. Moi, c'est l'impulsion. Ouais, mais c'est toi. Oui, c'est ça, anglais, c'est impulsion en momentum. Impulsion, ouais, d'accord. Alors, en fait, ça, c'est une jauge pour chacune de tes unités. Si tu accomplis des actions particulières, et ça dépend de la faction, moi, c'est en tuant des unités ennemies. Moi, je crois que c'est en perdant des unités. Ah, tes unités à toi gagnent de l'impulsion. Et en fait, si tu mets ta souris sur la barre, tu vas avoir un descriptif de ce que ça fait. Moi, par exemple, ça augmente mes chances de critique. Plus la barre augmente, plus les chances de critique augmentent. Ah, dégâts de ranged et dégâts... Ah, c'est comme le Kaoyan, en fait. C'est un peu notre Kaoyan, quoi. Bon, évidemment, faut pas hésiter à courir au début. Ah oui, les jets d'advance. Évidemment. Tu fais tes petits jets d'advance. Et donc, quand on se déplace dans une zone rouge, ça va consommer un PA, quoi. C'est ça. Tu cours, mais tu consommes un point d'action. Ouais. Tout le monde a un seul point d'action? Non, pas les personnages. Ils en ont deux la plupart du temps. Enfin, je sais pas s'il y a des persos qui n'en ont pas. Ok. Non, c'est vrai que. C'est pas facile hein, quand on voit le côté très très aéré de la map là. Bon, t'inquiète, j'ai beaucoup de breachers hein, comme je t'ai dit, donc moi je serais très close range. Le mec. Oh putain, Moment qui s'est réveillé. Il a dû se coucher tard. Oh la vache. Ah ouais? Ah ouais.
Alors tu vas rire, mais ma liste ressemble beaucoup à la liste que j'ai jouée contre toi à la première guerre de la Tartine. C'est vrai? Oui. Oh, putain. Je crois que je sais ce qu'il y a dessus. En vrai, on n'a pas toutes les unités tôt, hein, donc il n'y a pas tous les. Non, il n'y a pas tout, effectivement. Oui, Priscilla a trouvé l'anneau. C'est bien, elle a mis du temps à le trouver, c'était bien. Il finit. Attends, t'as fini? Ok. Merci beaucoup, Caliago, pour les 10 euros de dons. Merci beaucoup. Merci à Icaréane pour les 50 euros, ma contribution pour la vraie garde de la tartine. Merci à toi. Et merci, Jamalol, pour les 20 euros de dons. On est bientôt à 20K, mesdames et messieurs, exceptionnel. On est bientôt à. J'avais mis à 18 500 l'opening Secret Lair. Je pense qu'on le fera juste après ça. Ah, c'est à moi. Hop. Lui. C'est bon, j'ai l'objectif. Ok. Putain, j'avoue que c'est ouvert. Hein. Mais c'est ouvert. Mais il y a des trucs pour se planquer quand même. Mais ouais, tu fais une table de 40K comme ça. Oups. Ah bah le joueur tôt, il te remercie. Ouais. Merci. Surtout que les portées sont assez grandes globalement, donc t'as vraiment des unités, même d'infanterie, qui peuvent tirer assez loin. Ah, y a des points qui sont loin, la map est grande en fait. J'ai oublié personne, tout le monde a bougé. Ready for orders. Tout le monde a bougé. Les unités qui font la file au salon de la saucisse là. C'est bon. Déjà ? Bah ouais, écoute. Oh, on a Execo. Mais non, il a fait le même premier tour que moi. Oh merde. Ouais, c'est d'office, t'as un point qui est apporté au début, mais pas d'autres. Ouais. C'est des hurlements. Voilà, et donc là, ça calcule les points. Hop là, 5-5. Alright. Attends, je reviens. Merci beaucoup, Guérico, pour les 20 balles. Et Moebius, merci pour les 100 euros de dons. Et ça y est, mesdames et messieurs, on a atteint le palier de l'opening Secret Lair Baldur's Gate 3. On fera ça juste après la fameuse bataille avec Maf. La game commence là, on le rappelle, on est sur Battle Sector, c'est un 1v1, je suis en Empire Tau et Maf est en Space Marine. Donc c'est parti. Oui, l'anneau était dans un verre au bar du plateau de jeu de billes pour ceux qui s'intéressent. Oui, l'anneau je l'avais foutu sous un verre au fond des verres dans le bar. Voilà, elle a trouvé. Merci Wargamespade pour l'aide. Oui. Il y a un truc qui vient de me tirer dessus, un gros truc qui vient de faire un tir en état d'alerte. J'ai pas vu ce que c'était, mais j'ai une petite idée. Non, mais c'est rien. J'ai rien vu. Je vois rien de ton armée. Pour l'instant, non. Ah, je vois des petits seins, une petite zone. Mais dites-moi, vous avez capturé le point au milieu, là. Je sais. Mais. Ouais. Scanner. Je vois pas ce que vous voulez dire. Picking up movement. Targets up ahead. Je ne te vois pas. Mais ça me saoule, y a pas une touche pour voir toute la map. Ben non, je trouve que ça manque aussi, mais. Mais pourtant, il y en avait une dans le tuto. Ah oui? Ah oui, c'était virgule. Il n'y a pas en multi? Ah bon? Ouais, je sais pas, bizarre. Hmm.
M, bah ouais, mais M, ça marche pas. Je sais pas pourquoi M marche pas. Par contre, je sais pas c'est quoi ton truc qui a pris un tir en état d'alerte parce que j'avais rien. Non, hein. Mais parfois tu peux ne pas le voir. Et en fait, c'est ton unité qui l'a vu. Et elle tire, et puis voilà quoi. Puis l'autre truc repart se planquer quelque part. Ah mais j'ai trop d'unités, j'arrive pas à les faire progresser en les mettant. Ah, j'ai encore pris un tir. Mais putain, mais je vois pas où est-ce qu'il s'attire, moi. Oh, ça m'énerve. Peut-être. Ah oui, t'es en QWERTY ou en AZERTY, c'est peut-être ça. Non mais j'ai changé les deux. Alors je sais pas. Mais c'est cool que les maps soient grandes comme ça, il y a moyen de vraiment se déployer et de faire des... De profiter du terrain. Ah, ça envoie ses drones, bah tiens. Bah oui. Bibou bibou bap. Il a rien pris là. Oh non mais sérieusement là, c'est bon là. Moi, je vais prendre tous les avantages de la planète. C'est bon. Ouais, ils prennent pas trop en tir d'état d'alerte. Bon, c'est de l'intercessor hein. Oui, oui. Alors, du coup... La bataille au centre, elle va être intense, je le sens. Et du coup, il y a 4... Ah non, il y a un cinquième point. Attends, il est où le cinquième point? Ah bah oui, il est chez toi. Alors... Pour l'instant, on sait difficilement se tirer dessus, mais je pense que toi, t'as des unités qui pourraient. Peut-être. Hop. Il est sympa le format 3000 points, je trouve. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de trucs, c'est rigolo. Attention, ouais. Ça a coupé, chérie. Piouf! T'as touché? Non, ça a rien. 181! Putain, le speeder. Il est pas mort. Rien touché. Non, il est pas mort, il a tenu. Il a tenu bien. Bravo à lui. Armored support, ready. Piu piu piu. Non. Ah ah, une survie. Oh les 20 PV. Ah, de toute façon, si, en fait, il faut que tu le tues et puis que tu envoies une unité pour récupérer le point si tu veux le récupérer. Je sais pas si tu peux, mais. Ah bah oui. Là comme ça, si tu le tues, j'ai quand même toujours le point pour le tour. Mais après, bon, jamais mauvais de tuer une unité si t'as la possibilité. Mais... Oh non, je peux pas aller là-bas. Oh, c'est nul. Yes. Ah non, c'est l'emmerdement. Oui. Il n'y a pas de limite de tour. Hein. Juste une limite de points. Je vois que c'est la prudence.
Bien sûr. On joue la prudence. Ah, il faut. Prudence est mère de sûreté. C'est ça l'expression ? Je crois, oui. Ça reste un combat dénominé tartine, donc c'est sérieux. Bien sûr, bien sûr. Très sérieux. Pushing forward. Ouais. Et d'ailleurs, si tu veux voir ma performance de tir à l'arc en costume banane, j'ai vu la story. En story, parce que sinon elle va disparaître. Ton chat m'en a parlé. J'ai vu la story, exceptionnelle. Oh, Viola. Réellement exceptionnel. Je me suis régalé. Vraiment, je me suis régalé. Ok. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur comment j'en suis arrivé là dans ma vie, mais... Pourquoi... Qu'est-ce que je fous, moi aussi? Qu'est-ce que je fous là-dedans, moi? Ready for orders. Mais t'as raison, il faut se poser les bonnes questions. Mais plus important, ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Rien du tout. Je finis mon tour. Et tout à l'heure, j'étais en train de jouer à Subnautica quand le truc est passé. Et j'étais bien tendu comme il faut, tu sais, Subnautica, quoi. Ouais. Et on a passé le palier des dons pour le costume. Et comme j'étais sur Subnautica, je dis bon, attendez, on verra pour le costume après. Mm-hmm. Et mon fils est rentré dans la pièce en hurlant « Le costume !» J'ai fait un bond de ma chaise, mon gars. Ma femme était avec, elle pleurait de rire après de m'avoir entendu gueuler un coup tellement il m'a saisi. L'enfoiré. Il est privé de console. Ah ouais, vraiment? Non, mais non, bien sûr que non. Je sais pas. Ah putain. Attends, c'était trop drôle. Je reviens. Merci Philippe pour les 20 euros de dons, merci beaucoup, merci à toi. Merci Manoué, merci pour les 100 euros de dons, go The Event, merci Alpha pour tout, merci à toi. Et GG, bravo encore pour les championnats du monde, la France championne du monde de Warhammer 40 000, incroyable. Merci beaucoup Manoué pour les 100 euros de dons à la cause, merci Zerius aussi pour les 10 euros. J'aimerais pouvoir donner plus, mais en tant qu'étudiant c'est pas simple. Alors, on fait cet événement pour vous aussi les potes. Un plaisir de suivre notre empereur, continuez comme ça mon empereur, vous exterminez tout. Merci beaucoup. Piou, piou, piou. Piou, piou. Ah, y a moyen que je prenne un peu la sauce, là. L'intercesseur, là, il m'inquiète un peu. M'inquiète un petit peu. Merci beaucoup, en tout cas, pour les dons, les copains. On est bientôt à 19 000. On se rapproche des 20 000. C'est bon. Que font ces petits intercesseurs là-bas? Y en a un qui vient de se faire faucher par ton Hammerhead. Ah, c'est le Hammerhead qui l'a fumé? Ouais. Mais putain. Ah, j'entends des réacteurs dorsaux. Non. Voilà, en fait, je sais pas comment progresser dans mais le couloir. Mais t'as fait tellement d'intercesseurs. Quoi? Il y en a plein des intercesseurs. Ah, ouais. T'en as genre 4. Non, il y en a, c'est des réacteurs dorsaux. Ah ouais, mais là je les vois au mid là, tes petits intercesseurs basiques. Oh bon, ils sont partis. Là. C'est marrant leur look comparé aux intercesseurs à Space Marine 2. Ils ont des jambes, ils ont des cuisseaux tout petits. Un peu ouais, pourtant c'est. Ah oui, mais non, mais en fait les réacteurs dorsaux c'est encore les Firstborn. Oui, mais là je regardais les intercesseurs. Ah, intercesseurs normaux. Je les vois pas. Dans la liste Space Marine, ils ont pas mis de trucs à distance vraiment forts contre les blindages. Ah, pas de Predator ou de Repulsor ou de Gladiator. Bah, en fait, il y a un Predator, mais les deux seules options qu'il a, c'est Gatling et Lance-Flamme. Il y a pas de. Ah, mais oui, c'est le BAL Predator. Le BAL Predator, c'est un anti-char. C'est ça. Coûte combien un petit Land Speeder? Pas très cher. Un moins de 100 points. Comme un piranha, quoi. C'est 95 points, je crois. Oh non, Métrone. Métrone tactique. Gnon. Ah merde, je peux pas les atteindre. Ah, c'est... peut-être. Ah, c'est dommage, ça. Bon, faut avancer, hein. Y'a rien à faire. Oh non, mes drones.
Ils ont tenu, hein. Ils ont tenu. Ah y'a non, les drones sont morts. Non. First blood. Oh non. Oh, plus un de mouvement. Ah oui, mais non, mais du coup, je perds mon PA. C'est con. Je peux pas courir jusque là. Ah, dégoûté. Putain, il me manque un de mouvement pour l'atteindre. Atteindre qui? Bah, le point de... Le T'as point. Pas besoin de PA pour activer le point. Ouais, mais même, je sais pas arriver dessus. Il me manque un point de mouvement pour arriver vraiment dessus. Ah, quoi. Thomas. Donc, j'ai perdu. J'ai 66 ans. Attends, je reviens. Merci beaucoup, Gordfang. Merci pour les 100 balles. Merci pour tous vos efforts pour une bonne cause. Merci à toi. Merci, Arteo, pour les 10 euros de dons aussi. Merci à vous. Bon, la bataille de la tartine ferrage, mesdames et messieurs, nous avons perdu des drones. C'est pas grave, de toute façon, les drones, c'est nul. Ils sont faits pour mourir. Ils m'ont rapporté des points de victoire, ils ont fait leur boulot. Est-ce qu'on pourra en dire autant du reste de mon équipe? Nous verrons. Nous verrons bien. Je vois rien dire ici. Oh le petit bal Predator. Bah tiens. Oui. Bah qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça veut dire que tu le vois, lui. Ah oui, je le vois, lui, je le vois bien. Ah, mais moi je vois avec qui tu le vois. Oui. Oh le petit Invictor. Ah, je sais que t'aimes bien ça. Et ça par contre c'est cool, tu peux bouger case par case et puis tu peux rebouger quand même si tu veux. Tu peux tirer et puis bouger. Oui, t'as, hein, c'est pas comme dans le jeu de plateau. Assez permissif sur les mouvements. Ouais. Elle est belle la Riptide. Ouais. Et ben, les unités sont mieux modélisées que dans Gladius. Hein, pas de... Faut chier. En plus toi je suppose que le type de jeu tu préféreras celui-là. À Gladius? Mm-hmm. Bah globalement ouais, à Gladius, je trouve que malheureusement pour un Civ-like il manque cruellement de diplomatie. Mais vu que c'est 40k c'est normal. Oh il a ramené un Librarian, oh non, moi hier j'ai un Librarian, il m'a arraché 3 squads de Breacher d'un coup, j'étais là, quoi? qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai pas compris hein, ça m'a fait tout drôle. Hein. Ça m'étonne pas. Ok, je sais ce que je vais faire. Regardez le faire, il va le faire. 1 800 000, exceptionnel. Mesdames et messieurs, 1 800 000, paf, ça a été dépassé. Bravo à tous. Continuez de bourrer les dons. Merci Ambrosio pour les 10 euros et Lucky Lit, merci pour les 50 euros. Merci d'avoir rendu 40k à sexy pour les néophytes. Bah écoute, merci à toi, merci, ça fait plaisir, merci pour ton don. Merci beaucoup. Voilà. On peut pas changer les couleurs, non, malheureusement. Non, ça c'est trop dommage. Ouais, c'est vraiment très dommage. Alright. À toi. C'est Battle Sector. Okay. On fait la bataille de la tartine avec Maf. Ah, ok. Il faut qu'elle s'y mette aussi après Théa. Ouais, ça pourrait lui plaire. Bah ouais, non, je lui avais dit à Montpellier. Si elle voulait, on pouvait se faire des games pendant le Z-Event. Ah, aïe 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 aïe. Ils peuvent pas faire de trucs. Qui ça? Non, je sais pas, mais. Mais Pathfinder. Si, y a des Systas. Les Systas sont dans le jeu. Y a même des Tyrannides, elle aimait bien les Tyrannides, je crois. Oh non! Oh nia! Il est en train de tout mettre dans le mur là. Ah oui, c'est pas clair. Ah, mais t'as vu, y a un Breacher qui a pris plusieurs tirs, il est toujours debout. Hein. Marking target! Oups. Heavy burst cannon! Oh no!
Plasma. Plasma rifles. Oh la vache. Putain. C'est la violence. Hein. Ah, la Riptide, c'est ça fait dans le sonore et le dégueulasse globalement. Petit salaud. Il s'est planqué pile poil à un endroit où. Ah. Ah. Tu ne peux pas m'atteindre ? Oui. Activate stealth fields. Oui, oui, exactement. Hey, hey. C'est vrai qu'il est très cool le jeu en PVP pour ça. T'as vraiment le. L'IA fait un peu nimp. Ouais. C'est un peu aléatoire. J'ai fait une game ce matin, elle a chargé avec un sabre de feu. Ah! Ah oui, c'est pas clair. Il était tout seul, devant en première ligne et avec un éthéré. Alors, tu penses bien qu'ils se sont fait allumer tous les deux avant de pouvoir faire quelque chose. En effet, ça change beaucoup, quoi. En effet, c'est pas clair, oui. Ouais. Alors. Petit piranha et les petites unités comme les piranhas rapides sont très cool. Il y a eu un message dans le chat global du Z-Event. Ah ouais? On va avoir vu un truc ping tout le monde, mais je sais plus où c'était. Ah oui, non, c'était juste pour dire qu'il y a un event encore qui démarre. Bonsoir. Fiu. Mid HP. Ah, la vache, ça fait si mal. Mais non, ça fait pas mal. Tu l'avais buffé avec le cadre de feu ? Même pas. Même pas ? Non. Ah, vraiment juste la chance du truc, quoi. To the front line. Une chance sur deux, hein. Ah non, t'as un peu plus d'une chance sur deux si tu tires sur un gros véhicule comme ça. Oh la vache ! Coucou ! Oh, le shield ! Trop stylé l'animation du shield, shield il a bien encaissé, là. Ah, ça fait si mal. Oh, c'est putain, bien. Qu'est-ce que ça dégoûte. Plasma fire. Ah oui, hein. Oh, c'est vraiment bien la Riptide, hein, putain. Oh là là, ouais, non, la Riptide, c'est fort, hein. Oh. 400 PV en plus. Pushing forward. Firing on target. C'est marrant, le doublage des taux me rappelle un peu le doublage des Eldar dans Dawn of War. Moving. Ah ouais ? Ouais, c'est un peu le même genre de doublage. En route. Hop, ok. Donc ça a bougé. C'est greetings. Quoi, t'es Crysis, c'est des lance-flammes. Oh non, je l'ai raté. Non, le hammerhead a raté. Il m'a raté. Hihihi, raté. Pushing forward. Tu visais quoi? Le speeder? Ouais, le speeder, je voulais le finir. Standing by. Ah, le speeder au centre. Ouais. Avec ses 2 HP. Ready for orders. Confirmed. Ah, ça va être dur d'avancer au centre, moi là. Je crois que ça va être dur pour tous les deux. What do you need? Armored support, ready. On your word. Par contre, le Ball Predator, à mon avis, va se faire plaisir. Ok. Eh bien, c'est une fin de tour. They will not get through this way.
Oh, c'est serré. Oh, c'est serré. Serré. T'as déjà vu les points? Bah, 25-25. Ouais, à la fin de mon tour, je l'ai vu. Ah, il faut le temps qu'il charge. Il est un peu long pour passer la main, le jeu. Oh, c'est les gardes sanguinaires, ça? Ah, voilà. Oui, oui, oui. Sanguinaires, gardes, ça fait mal? Oui. C'est une très bonne unité de la liste. Et là, j'en ai deux versions. J'en ai une à épée et l'autre à hache. Celle à hache est plutôt anti-châssis, un peu plus. Et celle à épée fait plus d'attaques, plutôt anti-infanterie, quoi. Ok. Oh, t'as beaucoup de trucs, hein. Damn. Oui, mais toi aussi, attends, je te rassure. C'est quoi Red First? Bonus momentum when an enemy model is killed. Ah oui, donc quand tu tues, plus tu tues, mieux ça va, quoi. Bon, on absorbe les tirs de, d'Overwatch. Ça envoie, hein. Tu revis par pitié. Oh oui, non, oh oui. Il n'a pas pu mettre son bonus. Oh oui. Oh la chance. Apparemment, c'est ça de jouer. Quoi? Oui, je voulais faire du Age of. Moi, je fais du Ready or Not à 21h ou 20h, je sais plus. Et après, on peut faire une game d'Age of, je pense. Et après, on peut faire une game de Age of. Genre vers 23h, on peut faire une petite game. Voilà. Ouais, on peut finir la journée par une petite game de Age of. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. You need more than that. Oh, le lieutenant qui me terrifie. Bonjour, monsieur. Bonjour, ouais. En santé. Oh la vache, le nombre. Oh putain. Oh, c'est la merde, les amis. Qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Ils ont fait demi-tour? Ah merde, il y avait une unité de stealth à l'endroit où ils voulaient aller, du coup, ça a annulé. Eh oui, elle était pufu. Elle était pufu. Salaud! Elle était pufu. Oh, ça va être la merde, ce flanc, je sens, là. Hein? Attends, oui. Ils sont retournés là où ils étaient? Oui! Et ils ont perdu leur mouvement? Ah bah oui, enfin leur point d'action en tout cas. Oh, c'est incroyable! Oh, ah le counterplay oui, était incroyable, exceptionnel! Oui. Ah, je te le confirme, oui. Ah, parce que moi sur mon écran au début ils étaient devant. AOE 4, ouais, pas mythologie. Mythologie, je pense qu'on. Parce qu'il y a trop de gens qui sont en mode, ouais, je sais pas. Ah là, le mid, ça va commencer à devenir complexe. Ah, on va commencer à taper, hein. Le Librarian. Il me terrifie, le Librarian, c'est terrible. Reviens! Reviens, lâche! Pleutre! Non, ça va. Espèce de pleutre! L'abandon! Quoi, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut savoir reculer! Oh, l'abandon de ce territoire, c'est terrible! Shield holding. Ça encaisse bien. Hein. Ah, ça encaisse bien, le petit. Ah, la belle Riptide, merveille de la technologie. Moins 10% de dégâts reçus, ouais, ils sont bien. Ok. Ah, les sanguinaires et gardes, c'est des anciens modèles en plus, c'est quand à l'époque où ils étaient beaux. Même leur jetpack est cool. Il est trop cool leur jetpack aux sanguinaires et gardes. Tiens bon petit piranha. Tiens bon petit piranha. Allez. Ah, y'a trop là. Putain, et là du coup en plus tu me fais des dégâts de flanking, j'aurais dû me retourner, je suis trop con. Ouais, effectivement. Oh non. Ah, dommage. Ah, l'autocanon qui en finit. No. Hostiles detected. Un petit Storm Speeder qui fait son taf.
Ah, saloperie de Storm Speedel. Ouais, du coup, ils ont... Ah, en fait, non, attends. Les gardes sanguiniens qui ont fait demi-tour, en fait, c'est un peu plus particulier. Je n'ai perdu ni point d'action, ni point de mouvement, mais ça a consommé mon action de jetpack. Ah. D'accord, bizarre. Ah, mais si, si, mon... Non, attends, je te dis de la merde. Ça a consommé mon mouvement et mon action de jetpack, mais pas mon point d'action. Ah. Ok. Bon. Oui. Bon, bah, il est temps d'y aller, hein. C'est quoi ce bruit? Le bruit de la mort. C'est Heirs of Askelon. Oula. Narriptide. What the fuck, les dégâts? Ouais, mais là, ils sont surbuffés. Hein. Oh la vache, elle lui a arraché la moitié de la vie. Merde, okay. J'aurais dû faire ça, quel con! Oh la Riptide, si elle meurt instant, je vais pleurer. Elle va mourir instant, je le sens. C'est pas dit, c'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Ah, des petits Inceptors plasma en plus, non? Ah, par contre, les Inceptors, ils sont pas bien beaux. C'est quoi ce bruit? Ah putain, lui aussi, il fait une dinguerie. 50% de damage. Ah, ah la vache. Ouais, pas morte, hein. Putain, les dégâts que ça fait, ces saloperies. Tiens bon, ah, ma... ça fait que dalle. Tiens bon, ma grande. Tiens bon, ma grande. Non, ça fait... Allez, allez. Oui. Non. Ah. 35 PV, je me déteste. Ah, ouais. Ah, ça... Ça fait mal. Ah, dites-moi qu'il putain, a rien d'autre. J'ai plus rien. Ah oui, ah... Oh, le bien suprême nous protège, mes chers non, amis. Oh, la Riptide qui oh, tu vas prendre, tu vas prendre le, tu vas prendre la baffe au retour. Tu vas voir, tu vas manger le. Tu vas la prendre, hein, tu vas la prendre. Ah, la tu vas la manger la calotte de ces grands morts, celle-là, tu vas la prendre. Ah oh, putain. Oh non. Non. Oh non, j'entends des réacteurs. Parce non. Que nous arrivons, nous sommes les anges de l'empereur. Oh, putain et de nous merde. Ne reculons pas. Oh, fais chier. Merde. Oh les dégâts! Oh ce que t'as pris quand elle est morte! Les dégâts! T'as cassé mon jouet! Non, mais t'as tout cassé! T'as cassé mon robot! Oh les dégâts! Mais t'as vu ça? Oh, en fait, tes unités taux elles pètent automatiquement. J'essayais d'avoir l'info ce matin. Oh le misclic! Je crois que ça explose automatiquement les unités taux. Ah ouais, bah, on a bien vu. Je suis pas sûr, mais il me semble que oui. Ça a bien pété. Mais bon, par contre, mais en fait, mes unités anti-châssis sont automatiquement du corps à corps. Toutes mes bonnes unités anti-châssis, c'est du corps à corps, donc j'ai pas trop le choix, en fait. Bah oui, oui, en Blood Angel, t'as pas trop le choix. Donc de toute façon, les trucs que je peux te faire à distance, bon bah voilà, c'est pas ouf. C'est genre la troisième ou quatrième fois que Maf détruit des véhicules Mexus depuis ce matin. Ce matin, j'ai joué contre toi et effectivement, ça arrivait. Et je me disais, c'est vrai que ça explose systématiquement. Mais je savais pas si l'IA faisait une action particulière ou pas. Il s'est entraîné, le petit salaud. J'ai fait un test ce matin, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas fait une partie test hier? Je suis outré. Il est outré. De toute façon, encore une fois, c'est pas comme si t'avais le choix en Blood Angel. Hein. Ça va chier. Maf, ça va chier. Oh oui, je sais. Je vois la cible sur moi là. Je la vois. Ready for orders. Bonsoir. Oh non. Je te présente les Breachers. They challenge. Oh la vache, les gardes sanguiniens. Ah, c'est compliqué là. Oh, quel plaisir, quel bonheur. Oh la vache! Ah ouais, dès que je m'expose, je me fais ouvrir. Faites avancer les Breachers. C'est quoi la garde photon? La quoi? Ah oui, non, j'ai une grenade photon. Hein? Putain de merde! Ready for orders. Ouais, non, mais c'est sympa. Et est-ce qu'une unité peut traverser une autre unité ennemie? Je crois pas. Donc là, si je mets mon hammerhead là, je te move block ou pas?
Je me demande si tu peux finir ton mouvement. C'est pas clair, je suis pas sûr. Tu peux finir ton mouvement derrière, je suis pas sûr que tu puisses. Je sais pas. Ah oui, c'est... Oui. They challenge us from afar. Oui, ça tanque un peu, quand... ça tanque un poil. Oui, quand même, ouais. How can I assist? Removing targets. Piou, piou, piou. Ouah, mon lieutenant. Mon lieutenant. Mon lieutenant. Mon capitaine. Capitaine, non. Ah ouais, et ben moi je me suis déjà fait tirer dessus par un hammerhead d'abord. Putain. Eh ben, il arrive justement. Ah non. Le hammerhead arrive. Ah oui, mais là-bas... Non, tu peux... Attends, tu tires sur quoi, là? Ah, c'est oui. Les petits gun drones. Ah oui. Ouais, et puis dans le doute. Ouf. Oh, j'en ai... Whiff. C'est un whiff total. Un échec. L'échec est total. Pas mal ce tir. Ah ouais, là t'as touché ton hammerhead en fait. Ton hammerhead me fait office de protection. Hein? Ah, c'est dommage. Eh ouais. Ok, bon, alors de l'autre côté. J'interagis. Oh, les Terminators! Ben, ils croient que j'ai pas vu ces petits Terminators! Non, mais c'est... ils sont là pour. Ils font chauffer les baguettes! Mmh. Ils font du pain! Ils peuvent se TP? C'est quoi leur capacité? Je pense que tu demandes comme ça, au cas où. Hein? Ils peuvent se TP, bouger après. Ah, what the fuck? Ah oui, d'accord, il y a les couillons là-bas. Mion. Rien là. Elle est chère la Riptide par contre. Oh, le Librarian aime pas trop la Riptide. Non. Les grosses Gatling Tau, les persos ils aiment pas. Là par contre, je crois qu'il y avait 35 litres de sang à l'intérieur du Librarian. Ouais, la vache. C'est clair qu'il a pas aimé, hein. Pas des masses. Je viens de perdre 35 litres, c'est pas grave, il m'en reste 60. To the sky. Putain mais. Oui. Escouade de percée de guerriers de feu, c'est les Breachers. Hein. Oh putain le nom. Oui, le nom qui fait mal au crâne. Oui, les trades au secours. Hein. Vraiment, ouais, les trades sont un peu aux fraises, ouais, c'est assez dommage. Complètement. Ah oui. Au lieu de reprendre les traductions officielles de Games Workshop, s'il y avait aucun effort à faire en fait, fallait juste prendre les trades de Games et c'est tout. C'est clair. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait en fait. Attends, il est où mon Hammerhead? Attends, mais tu m'as tué un Hammerhead? Non. Bah... Je suis aveugle ou c'est... Tu peux utiliser. Sinon, t'as le récapitulatif de tes troupes à gauche sur les différents logos en fonction des types. Non, mais c'est juste moi qui suis aveugle. Pardon. En mauvais. Ou alors t'as la touche P qui sélectionne l'unité suivante qui n'a pas encore dépensé ses points d'action. Ah, pas mal ça. Ouais. Passe de l'une à l'autre, comme ça t'oublies personne. Sinon, t'as les résumés à gauche, faut pas hésiter à regarder. Tu peux voir toutes les unités par type qui ont déjà dépensé leur point d'action, de mouvement.
à tout le résumé. Ready for orders. Ok. Standing by. P. Ok. Eh ben, Overwatch and confirm. Ah non. Yes. Je suis en train de tomber en dessous au score. Je prends la tête, oui. Il me prend la tête. On va mis à 80 points de toute façon. Hein. Là pour l'instant c'est 25-25. Ça va monter vite. Hein. Bon là ça va être ton counter punch là par contre. Ça va piquer. Là. Je sens que les gardes sanguins vont voir. Faire quick quick. J'ai pris cher mais ça va encore. Par contre j'ai déjà claqué beaucoup de réacteurs dorsaux. Qui fait que. Ah, t'as deux terminateurs. Donc attends, tu disais ils peuvent se TP les termis? Oui. Ah, ok. Ils peuvent se TP, puis... par contre, là où t'as... En fait, oui, tu vas tuer mon lieutenant, mais tu l'as mis à portée de marteau. Ah, merde. Non, mais ça bon, va aller non plus. Je veux dire, ok, non, il a un marteau, mais il va pas one-shot à Hammerhead. Non, il va pas one-shot à Hammerhead, mais il va lui faire mal. Oui, probablement. Pourrait le sortir de là, mais... ouais, je sais pas, en fait, j'hésite. C'est vrai que sortir le lieutenant de là... Ça veut dire peut-être qu'il survive et qu'il puisse buffer, quoi. Mais d'un autre côté, il a quand même très très envie de se servir de son gros marteau. Un gros marteau. Bon, par contre, là, il y a clairement quelque chose à faire. Arrêtez, qu'est-ce non. Qu'est-ce que c'est que ces éclaireurs, là? Non, mais... Dégage. Taking hits. Oh, ils survivent! Mais t'es. Ah oui, c'est de la merde! Oh, ils survivent! Et ça, c'est l'élite de l'Imperium? Vous arrivez à tuer un seul pauvre passe? Putain, il y en a 4 en plus! Ah, c'est con ça! Pourquoi ça importe quelque chose le fait qu'on ait 4? Oh non, l'une victoire! Bah, ça fait 4 modèles qui tirent! Ah oui, après on s'en fout, c'est les Pathfinder. En faux! Ah non, ils sont morts! Non, mais c'est une mauvaise idée. Ah oui, c'est une mauvaise idée. Je attaque Flash, j'aurais jamais fait ça. Il faut savoir reculer dans la vie. Bah alors, on joue à le sécurité, hein. On a peur d'un petit Hammerhead. Il est pas si petit, je trouve. Putain, c'est la première fois qu'un mec recule de taper sur mon Hammerhead sur Warhammer, quoi. Ok. Mais oui, donc. Bah j'ai pas envie. J'ai pas envie de participer. Mais dites donc, mais c'est que ça s'infile chez moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas beaucoup tout ça. Ah, c'est chaud là. Il m'a verrouillé le flanc. Oh, il a. En vrai, moi j'ai plus grand chose. Hein. Je suis pas hyper bien là. Ouais. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a pris? Il m'a frôlé l'oreille. Lynn Victor. Ah putain, il a raté. Oh non. Ah oui, Lynn Victor, ça. Un PV en réponse. La fameuse réplique tôt. Agnan. Et ils peuvent bouger après? Oui. Et ils peuvent taper? Oui. Au secours! C'est fort, c'est cher, hein. C'est très très cher. Ouais, mais à pitié. Ah, on va dire au revoir à Mered ou c'est comment là? Attends, je reviens. Là, j'ai le choix en fait. Merci beaucoup Val pour les 300 balles! Merci beaucoup, merci pour ton don très généreux pour l'Adeptus Divinus faction dédiée au bien-être des citoyens de l'Imperium. Et un peu aussi pour les placements Overwatch, j'avoue. Putain, oui, c'est vrai, il y a ça après. Merci Etarion pour les 20 euros. Allez les gars, continue comme ça pour l'Empereur Alpha. Merci beaucoup. Merci Yatsugora pour les 100 balles. Merci à toi.
Merci Lotronus Maximus pour les 50 euros. Enfin une année où je peux faire un plus gros don, bourrer toutes les cagnottes. Merci beaucoup. Merci à vous pour tous les dons. Merci Crocor pour les 20 euros de dons. Deinoforo pour les 10 euros. Fenrisian pour les 20 euros. Et Carpe Diem, merci pour les 50 euros de dons. Et merci encore Val pour les 300 euros de dons. Extrêmement généreux. Merci à toi. Merci mon très cher. C'est adorable. Merci beaucoup. Il y a Tonton qui se prend des kicks dans le foie. Ah bah écoutez, si c'est son petit kink. Apparemment, Tonton se fait un peu bolosser. Ah bon? Oui. Ah non. Ah non. Ok. Ah bon, non, ils vont pas l'avoir. Il va survivre. Même avec les deux escouades. Oh la vache. Ouais, ils ont fait mal. Oh putain de merde. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas rigolo, hein. Attends. Là, il y a. Quoi? Oh, encore? Non, attends, merde. Ils ont un. Oh non, ils ont pas de truc. Ils ont pas de truc, dommage. Alors là, je vais utiliser une petite capacité magique. Ah. What? Oh, mais non, mais encore lui là, putain, j'en peux plus des Librarian, il m'a fait la même chose hier. Oh, c'est trop pété, c'est pété, les Librarian, ça me rend fou. Il n'y a aucun modèle. Ah, c'est dommage. Hein. Bon, bah, il est mort. Oui, bah il mérite la mort. Oh non. J'ai vraiment l'impression que t'as plus de trucs que moi, par contre. C'est un truc de fou. J'ai pris beaucoup d'infanterie. Là, mais j'ai l'impression que comparé au coup en point sur 40k, t'as beaucoup plus de trucs en Space Marine. Là, par rapport aux armées Space Marine. T'as vraiment plein d'intercesseurs, plein de jump packs, t'as beaucoup de choses. Ouais, l'écart en points entre des guerriers de feu et des Space Marines est pas si fou que ça. Ouais. Mais par contre, les guerriers de feu et tout font beaucoup plus de dégâts que sur 40k actuellement. Oh, pas mal, non, les Breachers, non, c'est à peu près cette sauce. Hein. Oh, les Breachers buffés, c'est cette sauce. Non, ils font pas beaucoup. Non, mais par contre, les Breachers sur 40k, c'est débile comparé aux intercesseurs, le DPS. Oh non, il y en a encore. Ah putain, t'as tellement de trucs, c'est un enfer. Oh, les Crysis, je les ai peut-être offertes. J'aime pas les Crysis. J'aurais pas dû les prendre. Oh putain, ok, adieu. Je vois les buffs qui arrivent là. Au revoir les Crysis. Ah non. Ah bon, non, ça c'est unité de base. Hein. Ouais, je m'attendais à ce qu'elle se fasse fumer. D'accord que là. Merci beaucoup Nogustin pour les 20 euros de dons. Yoïda pour les 20 euros. On arrive bientôt à 20 000, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Monsieur Kavok, merci pour les 25 euros de dons. Lord Barb pour les 28 euros. Merci à toi et Magnaka pour les 5 euros. Merci beaucoup, les amis. Ah, sympa. C'est quoi ça? Ah, ça tient quand même. Hein. C'est les jump packs qui peuvent balancer une grenade crack. Ah, ok. Mais putain, mais il y en a combien? Au secours! J'ai l'impression que tu joues Swarm. Space Marine Swarm, sauf que t'es pas Black Templar. Oh. Merde, je peux pas aller là. Ah non! Quel con! Je peux pas. Ah, je peux pas taper, parce que je peux pas taper en diagonale à cause du décor. Ah merde! Ah. Bon bah vas-y, je vais me mettre là, ça me permettra quand même de te lock au corps à corps. Ok. Ok. Merci beaucoup Shinji pour les 100 balles. Merci à toi pour ton don. Merci beaucoup Shinji. Get in the mecha Shinji. Merci beaucoup Shinji, merci pour le don. T'as ma maf, t'as fini. On est où? Ah. Ah oui, j'ai fini. C'est bon. Le temps que ça repasse chez toi. Tous les Overwatch à l'aide. Les Overwatch? Non, je vois au mid là, il y a plein d'Overwatch qui m'attendent. Oui, il y en a plein qui n'ont pas tiré, mais c'est pas des grosses unités.
D'accord. Alors. Allez. How can I assist? What do you need? Bonjour à tous. Oh merde. Oh no. Bonsoir à tous. Oh oui. Oh oui. Ow. Ready for orders. Ça picote. Ah, c'est bien. Il y aura bientôt l'Astra Militarum sur le jeu. Ah ouais. Curieux de voir ce qu'ils vont mettre comme unité dessus. Ah, j'avoue, ouais. Astra Militarum, ça va être sympa. Je me demande s'ils vont mettre un peu de... S'ils vont se décider à mettre un petit peu de... Unité de transport. Et apparemment, il n'y a que les Sista qui en ont. Oh la vache. Ils vont rien lui faire. Ah, c'est vraiment full anti-infanterie. Par contre, c'est une dinguerie comme les blindages. T'as des unités qui ont des blindages beaucoup plus élevés que sur le jeu de plateau. Putain, tous mes tirs de hammerhead ne font que rater. Il a raté ? Ouais, c'est terrible. Regarde, tes taux, ils ont armure 4, alors que les intercesseurs, ils ont armure 5. Piou. Je sais plus, c'est les... Je crois que c'est les stealth sur une armure de 7. Confirmed. Les stealth, ils ont une armure de 7. Ouais, c'est hyper fort. Ouais, j'avoue. Ah, le drone qui suit. Oh mais non, mais comment ça? Aïe. Oh, je m'y attendais pas à une putain d'Overwatch là-dedans. Quoi? Mais putain, l'Overwatch est à l'autre bout de la map. Mais au secours. Mais qui s'est fait Overwatch par qui? Mais par ton Land Speeder au mid, envie de V creux quoi. Ton Hammerhead. Oh là là, c'est nul. Ça va pas du tout. C'est terrible. Bon alors, comment on va faire? Putain, ton Predator, il me déclenche. Il veut vraiment. Non mais depuis le début, tu le mets à chaque fois. Hein. Tu le mets à chaque fois aux endroits les plus chiants du monde pour moi. Mais oh, tu me l'as mis midlife dès le début, j'ai pas envie. Flammeur. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh, je suis tellement déçu des crises là, c'est terrible. Attends, mais ils ont tapé au corps à corps? Bah, ils ont tapé en lance-flamme au corps à corps, ouais. Hein? Qu'est-ce ah oui, d'accord. Hein? Interception. Quoi? Ah oui, si oh, tu te déplaces, ils font une attaque de... Ah oui. Hein? T'avais pas vu? Bah, j'avais oublié. J'ai dû le voir en fait, hier, si mais tu, j'ai oublié. Si tu passes... Si ton mouvement passe à côté d'une unité qui a une arme de corps à corps, tu te fais taper dessus. S'il n'y a pas d'arme de corps à corps, tu ne fais pas. Tu hein alors, pas, dans quel monde il me fait un Overwatch? Il est derrière un poteau! Qu'est-ce que c'est que ce jeu côté avec le cul? J'arrive pas à lui tirer dessus, mais lui il peut me tirer dessus! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, par contre, c'est scandaleux ce qui vient de se passer! Oui, là j'avoue, il a tiré. Collé avec le cul? Bon, allez, lui, on va voir. Va hein. Pas, il va pas être content lui. Non! C'est extrêmement décevant. Oh non, si, c'est fort. Et les termites. Mais c'est la version à bouclier en plus. C'est la version la plus tanky. Bah, c'est nul. J'ai pas plus tanky. Je suis désolé, c'était vraiment décevant. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai souffert. Regarde. Hein. Il fait l'étoile dans le sang. To the front line. What do you need? Hein? Ah, il est là. Ouais, c'est sympa, je peux pas leur tirer dessus. Clear them out. Ah ouais, c'est ridicule. Overhead crew,
Intuable. Oui, bon, d'accord. Bon. Ils ont 9 d'armure hein, là avec le bouclier. Ah oui, merde, ah oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié. Non. C'était peut-être le bon play en vrai, ce que j'ai fait. J'avoue que déclencher l'explosion, parce que sinon, moi je pouvais taper dessus, mais j'aurais pu au moins désengager une unité. As you wish. Yeet. We will not break. Oh, c'est quoi ça? C'est une grenade à photons. Ça fait quoi, moins un point de mouvement. Précision vengeance. Moins 25% de dégâts de mêlée. Ah bon? Oh non, mon libraire. Ah, il a eu ce qu'il méritait. Je sais pas si t'as vu, mais dans le jeu, tout ce qui est lance-flamme fait des dégâts sur 2 cases. Oh oui, là, j'avoue, les PV de la honte. Oh, plus personne n'a plus rien. Oh, terrible. Allez, ça dépend plus que de vous, les filles. Ah, oh, ils sont là! Super! Ah, super, sur la dugue. Ah, ok, bon. Ah ouais, mais non, l'armure neuf, là, ils tiennent. Hein. Y'a rien qui meurt là. Les mitrailleuses, ils tiennent. Oh bah, mon cher meuf, là, à mon avis, on part sur un petit tableau. Voilà, ça risque d'être compliqué. Oh, ma première victoire contre Toto sur une guerre de la tartine! Pseudo guerre de la tartine, oui, je proteste! Oui, à peu près, à peu près. Ah là, j'ai trop rebondi. J'ai rebondi sur les thermis. Ah, les thermis, ils sont forts. Hein. Quand tu connais pas ce qui va tanker, ce qui va prendre, tu jettes un dé à chaque fois que tu fais une action. Hein, c'est trop dur. Écoute, je suis moi-même assez surpris des thermis à bouclier, mais effectivement, j'ai essayé la version d'éclair ce matin. Et effectivement, à griffe éclair, ça fait plus d'attaque, mais ça tanque moins. Le 9 d'armure là. Allez. Ah ouais, j'ai encore mon petit lieutenant. J'aime pas trop le système d'Overwatch du jeu. Ah non? Là, je trouve pas ça ouf. Non. Le truc de je tire si je fais pas grand chose, quoi qu'il arrive, je sais pas. Parce que ça promeut trop un jeu statique, je trouve. Parce que sinon, vraiment, t'avances et tu te fais fumer, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que là, tu vois, Tau, ça doit se jouer vachement défensif. Je pense que Tau, tu dois vraiment rester en arrière et tout le temps avoir tes points d'Overwatch de dispo. Oui, c'est vrai. Et bah, t'as des unités qui tirent très très loin, je pense. Donc, qui peuvent faire mal. Ah, je suis con, j'aurais peut-être dû tout mettre sur lui. Sanguinaire et Priest, ça fait quoi? Sanguinaire et Priest, ça... Bah écoute, aussi bizarre que ça puisse paraître, il peut soigner les unités mécaniques, mais je me demande si c'est pas une erreur de trad. Ah oui, 100% c'est une erreur. J'ai pas encore essayé. Et sinon, il buff les dégâts au corps à corps. Peut-être de façon Blood Angel, c'est vraiment corps à corps. Hein. En fait, il manque juste des Devil Fish et je kifferais trop. Oui, c'est vrai que je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de transport. Pas de Devilfish, je trouve que c'est vraiment une... Enfin, Breacher sans Devilfish, c'est littéralement des couillons à pied. C'est pas des Breachers. Bah non, c'est le combo fonctionne avec le Devilfish, vraiment. En plus, ils se font tellement counter par de l'Overwatch, vu qu'ils sont obligés de se rapprocher. Ah, ça y est, le lieutenant a décidé de me taper. Attends, tu m'as fait que ça là? Non. Là, je mettais les buffs, mais j'ai peut-être été con. J'ai peut-être claqué un point de compétence Il aurait été préférable de taper deux fois. Sûrement, ouais. Ah, je pouvais te taper sur le flanc en plus, quel con. Ah, putain, ah oui. Oui, c'est vrai.
Bon, Chainsword, là, normalement, tu devrais pas enlever que dalle au véhicule. Oui, normalement. Ah bon. C'est pas si ouf, hein. Quand ça même. Manque de PA. Ouais, ouais, enfin bon. Une épée tronçonneuse, normalement, ça fait rien à un véhicule, là. Tu m'as enlevé de la vie, hein. Ouais. Bon, eux, ils font pas grand-chose, mais on va quand même gratter. J'ai pas assez d'unités... J'ai pas assez d'unités mobiles, en fait. C'est ça qui me manque. Pour aller caper les points. Oh, putain, par contre, je vais perdre des points, là. Ouais, le truc criminel, c'est les deux thermis avec rien en PV. Là, je vais me faire arracher la tête. Ah, j'avoue, eux, ils vont cogner. On va en bouffer le 2x6 Inceptor avec le nouveau Codex Bone. Pourquoi 2x6 Inceptor, c'est fort? Ouais, par contre, ils sont un peu nuls pour clean les masses, quoi. Ouais, c'est anti-élite, quoi. Alors que c'est... Ah non, ils ont pas chain... Ah oui. Ah, en effet, en fait, c'est vraiment des anti-véhicules, quoi. Ouais, ouais. Complètement. Ah, je vois. C'est ça, fuit, ouais. Là, ce qui va être complexe, c'est le monsieur là-bas. Ah, on peut peut-être tenter ça, tiens. Shield holding. Oh, c'est pas si dégueu. Pas si dégueulasse. Ouch. Là, elle fait que 10. Bon, là, j'ai pas trop le choix. Tant pis si je canne. La mitraillette. Oh la vache, quand même, hein, mec. Hein, tu m'as fait super mal, hein. Ouais, ouais, il a fait mal. Ça, je crois que ça va pas faire grand chose, mais si je peux gratter un petit peu. Oh, ça fait que dalle. Ah oui. Rien. Ah bah, as it should. Ça ne devrait rien faire, ça. Ça n'a rien fait. J'ai déclaré le monde 4 auto. Le contre-contre a été terrible. Ah, mais oui, c'est vrai que je peux faire ça au pire. Aïe, 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 aïe. Voilà. Comme ça, là, en fait, j'ai deux unités au corps à corps avec toi. Si ta Riptide bouge, elle se fait taper, quoi. Ah oui. Après, j'ai pas de malus de tir au cac, moi, avec elle. Parce que c'est une battle shoot. Ah oui, donc t'as pas besoin. Oui, mais bon. Quoi qu'il arrive, elle bougera pas, quoi. Mais j'ai pas un mouvement de fallback que je peux faire? De fallback. Normalement, elle a déjà engagé et chargé ou. Non, elle a déjà engagé et tire. Hein. C'est beau. Il y a un truc là maintenant. Merci beaucoup, le bon gnocchi, pour les 10 euros. Oula. Un truc qui a pété là. Ah. Qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi j'ai pris autant de dégâts? Au secours. Merci le bon Nyoki pour les 10 euros et merci un gars en retard pour les 10 euros de dons. Nous sommes bientôt à 20 000 euros. Le prochain donation goal, je le rappelle, on a bougé un petit peu. Le prochain est à 25 000. Je laisse des streamers peindre le Z-Marine. Et ensuite à 30 000, ce sera la ranked solo queue. Ranked solo queue Overwatch avec le Soria. Ouais, super. Ouais, super. J'entends des jetpacks, ça me fait peur. Non, 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 c'est rien. Est-ce que j'ai encore des choses? Escouade d'assaut. Attends. Ils ont encore un point d'action, eux. Ah oui. Oh. 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 Oh merde. Ça. 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 Oh, ça.
Enchanté, bonsoir. C'est sympa de vous voir ici, hein. Bonsoir. Bonsoir. Ah, non, c'est pas nécessaire. Quoi? Oh la vache. Yep, yep, yep. 0-0-0-0. Ok, fini. Bonsoir. Ça, c'était l'étal de boucherie, là, ouais. Ok. On va essayer de clean les trucs un peu, mais vas-y, au secours. Là, j'avoue, il me reste assez bien de choses. Ah bah oui, mais j'ai vraiment l'impression que t'as un million de trucs, hein. C'est... Moi, mes machins meurent en deux secondes et font pas si mal comparé à tout ce que t'as. En fait, j'ai joué contre Marmotte avec les taux et je me suis... moi, j'avais les taux et lui, il avait les tyranniques. Je me suis fait, mais vaporiser. Parce que les armées qui te rushent très très vite au corps à corps, c'est dur. Et là, Blood Angel, j'avoue, entre les réacteurs, les jump packs qui t'arrivent dessus, qui tapent super fort au corps à corps, les gardes sanguiniens, les terminators qui se TP. Après la TP, c'est comme sur le tabletop, c'est une seule fois par partie. Mm-hmm. Mais ça te permet un alpha strike qui fait turbo mal, quoi. Ouais, hein. Putain, t'as super bien placé tes véhicules. Genre, y'en a aucun que je peux atteindre facilement, c'est un cauchemar. Allez, c'est la bonne cette fois. Ça va changer un petit peu dans la section commentaires YouTube. Ils arrêteront de dire lol, putain, il a mis son véhicule là alors qu'il fallait pas. Ça changera. Le raid a fait que rater. Il a tiré au début, puis là, depuis. Il a whiff. Il ne fait que whiff, ce couillon. Ah, il faut le. Le gateway, mais par contre tu vas... Attends. Oui, il y a un point que tu reprends. Et il me reste plus que les deux du centre en fait. C'est le premier... Bah en fait tu vas revenir à... Oui, mais attends, mais tu vas me dépasser là. Allez, ça dégage ça. Ah mais non, moi je fais quoi? Ah mais putain, mais ils ont pas besoin d'avoir été engagés au CAC. Oh mais ça casse les couilles aussi ça, je savais non, pas, putain. En fait, c'est si tu passes à côté d'une unité, oui, ou alors que vraiment... tu démarres à côté, ça compte. Ouais, c'est une attaque d'opportunité, littéralement. J'aurais dû me mettre ça en tête. Oh là 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 là, c'est terrible. Ah. Oups, au revoir. Comme ça. Allez, ça dégage. Voilà, ah, moi aussi je peux piquer. Et j'avoue qu'un Devil Fish ça changerait beaucoup beaucoup les choses. Ah, ça changerait ma vie, hein. Ça m'arrangerait bien, oui. To the front line. Ah non, ce point là tu l'as déjà. Taking fire. J'aimerais trop qu'ils ajoutent l'ad mec dans le jeu. Ah oui, quand même. Riptide, très fort par contre. Hein. Après, tu m'as tué tellement de trucs. Ouais, mais ça nous coûte. Vraiment, ça coûte oui, un bras cher. La Riptide. Hein. C'est un délire le prix que ça coûte. Hein. C'est vraiment Terminator scandaleux. Aussi après. Hein. C'est cher. Oh, c'est con, ils sont presque tous morts. Oh, il y en a un qui reste combien? Un PV. Oui, un PV. Bah ça tombe bien. Voilà. No. Yes. Clean head. Ah oui, c'est vrai, il avait deux actions. Et du coup là, tu peux bouger avec ta Riptide par exemple si tu veux. Ah, ouais, même mais si bon. Elle a déjà tiré. Ah mais bon, ton Ball Predator, il va aller où il veut, il me la fume. Il y a l'Invictor aussi, je sais pas si tu peux aller quelque part hors de sa portée. Il est où l'Invictor? Ah, il est derrière. Un peu plus loin. Sachant que l'Invictor, c'est un truc, son autocanon est clairement fait pour la longue portée. Il a une portée optimale de 5, je crois, donc il doit rester loin. Un peu comme ton Hammerhead qui doit vraiment rester loin. On me dit de pas oublier mes capacités d'armée sur mon commandant, mais comment je les active? Ah, j'ai ça. Ah oui. Ah putain, oui, les missiles. Quoi? What? Ah, j'ai un truc comme ça qui peut être pas mal.
capacité d'armée sur commandant, c'est-à-dire. Ah, c'est marrant ça. C'est quoi ça? J'ai fait arriver des crises. Quoi? Comment t'as fait? C'est un pouvoir de mon commandeur. Oh, c'est fort de fou. Hop là. C'est un pouvoir de mon... Ouais, une capacité de mon cadre Fireblade. Ah là, j'en ai plus là. Faire venir des crises lui. Ah oui, ah, ça c'est pas mal ça comme truc. Ça me coûtait 2 points. Ah, c'est bien. Ce que je me disais, c'est bizarre, il n'y avait pas le drop. T'as ça dans les compétences du perso? Ouais. Ah ouais, il y a ça dans les compétences du perso. Ah bon. Ça coûte 2 points. To the front line. Comment ça, je l'ai aussi sur mon lieutenant? Mais non, j'ai pas ça, moi. Ready for orders. Ok. Ready for orders. Bas à droite, t'as une barre qui charge. Ah bon? Ok. Et les unités qu'on invoque, c'est des unités qui se dégradent ou c'est unité-unité? Bah, aucune idée. Bonsoir. Ouf, ah oui, j'ai pas fait très mal. C'était pas clair. T'as tous les points sauf un. C'est la remontada. Ah, parce que là l'écart est pas si gros que ça. Hein. Je suis repassé devant. Bon là c'est le baroud d'honneur on va dire. Là je vais me faire clean tout là je pense. Ça va être chaud. Je sais pas. T'es plus serré que tu veux le croire je crois. Bah il y a l'escouade de thermique, je vais jamais fumer, je pense. Ouais, mais en fait, il tue même pas une escouade par tour, donc il rame à tuer tout le monde là. Mmh. 65-60. Ah, c'est le premier à 80 points après, hein, c'est pas. Ah oui, il faut que je prenne 3 drapeaux moi. Si je prends 3 drapeaux, j'ai gagné. Ah oui. Oh non, mais. Attends, moi j'ai quoi là, 60? Ah non, putain! Ah! Je crois que j'ai gagné! Non! Je crois que j'ai gagné! T'as pas le droit! T'as pas le droit, je dois gagner au moins une fois dans ma vie contre toi, bordel! Mais non! Attends. Ah, t'aurais mis 100 en objectif de score, je pense que je perdais sûr. Mais non! Attendez, il peut le faire. Apparemment, tu peux aussi invoquer des trucs, toi. C'est ce que les gens me disent. Oh putain! Oh la vache! Faut bien marquer le coup, ma faisait des ventes. Merci pour les 1500 balles. J'allais avoir un don de 1500k. 1,5k. 1500k, ça fait beaucoup, hein. Ah oui, là, ça faisait beaucoup, oui. Ah oui, là, sympa, solide le don. 1500€. Putain! Ah, No Wargamer, on possède des thunes. On du talent. Aïe, aïe, aïe. Bon déjà tu peux prendre celui chez moi je pense. Oui je crois, je pense qu'il y en a deux que je peux te piquer. Il faut que tu marques combien? Attends. Faut que j'en prenne 3. Faut que j'en prenne 3 au prochain tour. Là j'en ai 4 actuellement. Putain ouais ça sert plus à rien que je fasse du dégât là, c'est les poing. Merci beaucoup Nouf Nouf pour les 100 balles. Petite donation pour aider les taux qui ne peuvent pas gagner la guerre contre l'imperium de l'humanité. Mais si ils peuvent, mais si. C'est simplement une question de motivation. Merci pour ton don très généreux. Merci Yenaël aussi pour ton don très généreux de 100€. À défaut d'un Devil Fish, dans Battle Sector, on donne pour la bonne cause. Merci beaucoup Yenaël. Merci à toi. Merci Driz aussi pour les 10€. Salut, ça fait longtemps que je te suis et je te remercie pour toutes ces années de joie. Merci beaucoup Driz. Yenaël et Nouftouf, merci à vous pour votre générosité les amis. Merci beaucoup. Je peux pas aller le chercher, je suis trop court d'une case. Hein? Avec qui? Avec Lynn Victor?
Non, les intercesseurs pour le point chez toi. Ah, ça, c'est con. Ah, je peux pas. Je crois que je peux pas te reprendre les points. Oh non. Oh si, eux, ils peuvent. Oh non. Oh le merci, les réacteurs dorsaux. Oh, l'Overwatch nul. L'Overwatch nul. Ouais, il est 14 PV. Oh, oh merci. 1 900 000, mesdames et messieurs. Incroyable, il a dit 1 900 000. Oh là là, les 2 millions qui arrivent très très bientôt. So very soon, very soon. Et ça, du coup, mitraillage, canon d'assaut, va infliger un tir fratricide, tir 36 fois par case sur 4 cases. Oh, un bombardement. Ah, hein? Et ça continue à grimper, donc là j'en ai 2, mais je pourrais. Hein? Oignon. Oignon. D'assaut. Mesdames et messieurs, il y a un ennemi sur la case, une attaque de charge sera effectuée. Le sel de maf qui vient de donner 5 euros pour le bien commun et le site. Merci beaucoup, le sel de maf. Non, non, mais là c'est chaud en vrai, c'est serré de fou. C'est très 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 serré là. Ah, faut faire clic droit. Qu'est-ce que. Quoi? Oh, stylé. Qu'est-ce que... Non! Si! Oh, c'est la merde ça. Si! Oh non. Oh si! Oh miaou. Non mais là 100% tu vas me les fumer là. Je sais pas parce que j'ai plus de breacher là. J'ai que des. J'ai deux héros. J'ai un breacher tout seul comme un clampin. J'ai un héros et j'ai des stealths. Mesdames et messieurs, la tension est à champ comble, c'est exceptionnel. Ah mais t'as gagné ? Attends. Mais si, t'as gagné ! Mais non, parce que toi t'as encore ton tour. T'as encore ton tour, attends. Moi je marque mes points à la fin de ton tour. Ah, c'est vrai. Mais oui. Oh putain. Oh, il y a eu un don. Merci beaucoup Corby pour les 100 euros. Et merci Laito. Arigato Laito, merci à toi. 250 euros de dons. L'empereur a-t-il autorisé le Z-Event ? Sinon, bon courage à tous pour cet event. Il l'a autorisé, bien sûr. Je l'ai autorisé, donc il l'a autorisé. Ouais. Si tu veux participer à question pour un streamer, c'est 20h45, il y aura le lien sur le Discord pour l'Hockey Culture. Ah mais j'ai déjà accepté un truc, moi. À 20h avec Skok et Trivia. Trivia, elle participe ? Bah, elle avait dit que oui. Peut-être qu'elle a oublié. Ok, donc je sens que c'est... Bah écoute, oui, si le truc est annulé, oui. Putain. Je pense que Skok va nous tirer les oreilles. Alors, très cher Maf. Où en êtes-vous? Le... Je rêve où tu t'es tué ton lieutenant en explosant mon Hammerhead. Maf, tu t'es tué ton lieutenant en explosant mon Hammerhead? Ouais, je sais, mais c'était juste après avoir fait le truc. Par contre, pourquoi il... Attends, mais il me reste un point d'action avec mon prêtre sanguinien, mais j'ai perdu la possibilité de faire de courir. Mais, ah non, si. Mais, quoi? T'as échoué. Merci beaucoup en tout cas, merci Corby, Laito, 250 euros, nous avons dépassé les 20 000 euros mesdames et messieurs, incroyable, les 20 000 euros, on aurait pu se dire 20 000 euros et Jeff Empire. Oula, ah, le prêtre sanguinien il rigole pas trop, hein. Il rigole pas trop. Merci Boulette Anonyme pour les 5 euros de don, merci à toi. Mais oui normalement j'avais un truc avec Skok et Trivia. Et... Alors attendez, je vais regarder juste ce qu'il m'a dit. Bon, on va voir. Je sais pas trop comment ça s'organise, c'est un peu le bordel. Très cher Maf, qu'en est-il? Oui. Mais j'ai fini. Ah. Bah écoute, là, y a deux points sur lesquels je pense qu'il y a moyen que tu les récupères. Si tu arrives à les récupérer, c'est toi qui gagne. Si t'arrives pas à les récupérer, c'est moi qui gagne. Aïe, aïe, aïe. Serré de fou. C'est serré de fou. Ah, mais j'ai aucune idée de si ma Riptide peut tuer ton Ball Predator.
Vraiment aucune idée. On va le voir. J'ai l'impression que tes tirs n'ont pas assez de perce armure, mais après elle fait tellement de patates. Il a 9 d'armure, le Predator, c'est quand même beaucoup. C'est serré. C'est très très serré. Pourquoi ils sont luisants? Ah, ils sont au max. Ah, par contre, j'avais pas du tout vu les capacités d'armée jusqu'ici. Effectivement, ça grimpe au fil du temps et puis tu peux déclencher des capacités de plus en plus fortes en fonction de combien de temps tu attends, quoi. Il y a des trucs qui ont l'air assez sympa. Oh no. Erf. Ah, ça fait pas grand chose. Fait pas du bien l'Overwatch. Ok. Oh la vache. Le blindage ici a l'air un petit peu moins. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, j'ai fait de la merde. C'est quoi? Non, j'ai fait de la merde. Il reste 170 PV au Predator Ball. Je sais pas. On your word. To the front line. Quoi? Oh putain, j'avais pas vu l'Overwatch. Oh là là, mais ça finit jamais les Overwatch. Ça va, il va survivre, tu sais. Oh non, non, mais non, mais non, mais comment ça, il peut se faire côté. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Décidément, les frappes d'opportunité, ça aurait été ton némésis dans cette... Mais même dans le jeu de base aussi, ça me casse les couilles. Je déteste ce truc de merde. Putain, c'est trop chiant les trucs d'opportunité. Alors, non, je pense pas que je ne pense sèche, pas. Ah, oh, c'est nul. Ah, oh, c'est extrêmement décevant. Oh, la moitié de l'escouade, quoi. Bon, bah eux, je peux pas. Je suis là, c'est sûr que non. Ah non, hein. Mais je crois que c'est une victoire de maf. The first, finalement. Mais c'était serré, hein. Attends, est-ce que j'ai d'autres options? Quoi? Quelle que soit la fin, l'échappatoire, c'est serré. Je suis trop court de 1 avec les stealths. Si j'avais plus optimisé mon mouvement, je gagnais. Pourquoi? Je suis un abruti, voilà. T'as des stealths qui sont où? Non mais les stealths avec lesquels j'ai fait le couillon, je... Tu récupérais... Mais tu... Ouais, mais t'aurais pu récupérer un point, parce que là il t'en manque 2 encore pour gagner. Oui. Fire now. Fallait que t'en récupères 2. Oh 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 oh. Oh, 9 PV. Oui. Ah non, ok. Ah mais attends, t'as explosé. Ah mais tous les véhicules explosent automatiquement, oui, en fait, dans le jeu. Oui. Donc t'as déjà un point. Non, pas l'autre. Maf, je suis au regret de vous annoncer que mes Crysis volent. Oh, non. Victory. J'aurai jamais le droit au bonheur dans ma vie, hein. Oui. Oh, putain, à 5 points. Non. Ah, 5 points, bordel. J'aurais tellement dû bouger dessus. Je suis con, pourquoi je l'ai pas fait? J'ai voulu finir mon tour trop vite. En plus, je pouvais bouger, je pouvais te bloquer. Avec qui? Je pouvais. Bah, avec mon Invictor. Il est juste à côté. Ah, mais oui, il pouvait, c'est vrai. J'ai pas du tout pensé que tes Crysis allaient sauter de l'autre côté et allaient le faire. J'avais 10 fois l'opportunité de bloquer le point, je ne l'ai pas fait.
Si je l'avais fait, je gagnais. Putain, n'empêche, la partie s'est terminée sur le dernier mouvement du dernier tour. Ah oui, oui, ah oui, là, moi j'étais. L'attrition, c'était la fin après. Putain. Ouais. Oh là là. Eh ben. Attends, comment ça, il y a encore un. Ah non, la fin, enfin, écran de fin. Oui, defeated. Et ouais, il m'a piqué le point. Ah, le point final. Le point final. Mais Crysis. Par contre, avoir le deuxième tour, ça fait que tu marques un truc de fou, ouais. Après avoir joué, donc c'est vrai que. Ah, c'est un énorme avantage. C'est pas mal. Hein. Attends, excuse-moi, faut que je banne quelqu'un. Là. Et voilà, il prend la foudre, il prend la foudre. Mange. Ça me casse les couilles. Fume-le. Moi, ça me fait du bien, ça me défoule. Oui. À un moment donné, voilà. Donne-moi son pseudo, je vais le ban aussi. Ça n'a pas d'intérêt, en fait, ce genre de message, voilà, c'est... Ok. Non, mais je vais aller faire un tour ailleurs, parce que ça a l'air douloureux en plus pour lui de regarder ce genre de contenu, donc je pense que là, je lui rends service, en fait. Si tu veux que ça te défoule, je peux le ban aussi, je peux dire aux autres, le ban, il n'y a pas de problème. Mais elle était trop cool, cette partie. Ouais, c'était cool, c'était très cool. Bah c'est sympa, mais je sais pas si le jeu est très équilibré vis-à-vis de qui va en premier, qui va en deuxième. Donc ça, je sais pas trop. Mais non, c'est sympathique. Donc c'est cool de jouer avec ses figues, quoi. En mode jeu vidéo. Les stats. Bah le côté, tu crées ta liste, tu fais ton truc. Créer sa liste, c'est vrai que c'est très sympa. Mais j'avoue que c'est le bail des réactions là, oh là, les Overwatch, les interceptions. Ouais, après t'as vu, ils font vachement moins de dégâts hein, que des vrais tirs. Oui, parce qu'ils tirent pas à portée optimale, c'est ça ? Je sais pas si c'est à cause de la portée optimale ou bien s'ils ont un malus de précision quand ils font un tir d'Overwatch. Mais peut-être bien à cause de la portée, ouais. Possible, parce que du coup ils tirent dès que ça rentre dans leur champ de vision, donc trop loin. Oui, c'est possible. Allô, quoi ? Allô ? Maf. Non, mais je crois que c'est le train de Don qui vient. Et de tout le reste. Ah. Bon, bah du coup, c'était cool. Bah ouais, GG. Bonne petite game. Le jeu est sympa, ouais. J'avoue que c'était sympathique. Que de retest. Mais le vrai problème pour moi, c'est qu'il n'y a pas de 2v2, de 3v3. C'est trop dommage, c'est ça. Trop dommage qu'il n'y ait pas de 2v2, ouais, c'est clair. Au moins du 2v2, c'est de full 1v1, je sais pas pourquoi. Ils pourraient vraiment mettre autre chose. Ils veulent pas mettre de 2v2. Est-ce qu'ils ont peur de l'équilibrage ? Est-ce que c'est chiant de coder du 2v2, du 4 joueurs ? Ouais, j'avoue, je sais pas trop. Mais ouais. Non, mais ouais, c'est bien sympa. Mais j'avoue que je pense que ouais, le gars qui joue en deuxième, il a un avantage de fou, quoi. Parce qu'à la fin, bah, un peu comme quand tu joues en deuxième sur 40k, quoi. Genre, quand tu sais que tu vas scorer à la fin de ton tour 5 plutôt qu'au début de ton tour 5, tu peux faire des dingueries en termes de mobilité si t'as encore des troupes. Sur la fin, tu peux faire comme si tu sacrifiais des trucs, entre guillemets. Mais je pense aussi que la façon de jouer ici, on a un peu tous les deux essayé d'attraper à peu près tous les points. Mais je pense qu'il vaut mieux se focaliser sur 3 points que tu prends au début et que tu perds jamais. Oui. Que d'essayer d'aller sur plusieurs points en même temps, en fait. Bah moi, c'était un peu le goal. Hein. Moi, le mid, je l'ai juste joué Piranha pour prendre un point facile au début. Et après, je me suis dit, non, mais le mid, je vais le perdre de toute façon. Et du coup, j'essayais plus de jouer les flancs. Donc, j'avais vraiment scindé mon armée en deux. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, franchement. Au final. Et puis, ce qui est cool, c'est que tu peux jouer au jeu quand tu connais le 40K et le jeu de plateau. Genre, tu sais quelles unités font quoi. C'est rigolo. Ouais, ça reste globalement dans le même style. QPOS a bientôt commencé, mais tout ça, ce sera si seulement on atteint les 2 millions. Donc pour l'instant, le C-Event est en pause. Tant qu'il n'y a pas 2 millions, il n'y a pas de soirée. Bon. À vos dons. Et on commence juste après. Il y a une pause, pause des émissions C-Event. Tant que nous ne sommes pas à 2 millions, nous allons... Donc tu peux te mettre en écran de pause. Moi je me mets en écran de pause tout de suite. Je vais manger, je reviendrai quand on aura 2 millions. Voilà, moi je me mets en écran de pause. Pour le moment je parle en écran de pause et voilà. Faites des dons ou on fait rien. Vraiment la prise en otage.